fait là, mais quand je suis arrivé ici avec ma mère et ma soeur, il y avait déjà du monde. Ma petite soeur était là, je suis allé l'embrasser d'ailleurs, mais pas pour... Je ne pensais pas que c'était la dernière fois. Hein. Alors c'est pour vous dire, c'était calme parce que le pâtissier faisait des gâteaux. Hein? 10 juin 44. Alors le pâtissier a été voir le soldat et lui a demandé s'il pouvait faire aller voir ces gâteaux qui allaient brûler. Le soldat lui a répondu en français, t'inquiète pas, on s'en occupera. Quelques soldats, 3 ou 4 soldats sont passés au milieu de nous, comme on serait là. Et les femmes les ont fait mettre de ce côté-là, les femmes et les enfants. Et nous, les hommes, on nous a fait mettre sur le trottoir, de notre côté. On nous a donné l'ordre de nous mettre face au mur. C'est ce qu'on a fait. Je n'ai pas réfléchi qu'on pouvait nous tuer, du tout. Et c'est à ce moment-là que les femmes s'en vont. Moi, j'ai encore ma mère qui me regarde. Je vois le visage de ma mère, parce que la dernière parole qu'on a eue ensemble, les dernières paroles, elle me dit « t'aurais bien fait de te cacher, parce qu'ils vont t'amener en Allemagne ». Et que je lui ai fait la réflexion, je lui ai dit « je suis en règle, je vois pas pourquoi, ils vont m'amener en Allemagne ». À un moment donné, un soldat demande au maire de se présenter, en français toujours, il se présente. On lui demande de désigner des otages. Si je vous le dis, c'est que je suis près d'eux, hein, quand même. On lui demande de désigner des otages. Il se désigne lui-même. C'était une journée comme une autre. Ils n'avaient jamais vu ou entendu parler d'allemand auparavant. Pourtant, sur Limoges, ils y étaient. Il n'y avait pas, comme il disait, il n'y avait pas de raison pour qu'il se passe ce drame. Ils ont mis les hommes d'un côté Et puis, même les hommes, ils le disaient tout à l'heure, ils étaient en train de discuter, les jeunes des filles et les autres du boulot. Ils pensaient qu'ils allaient reprendre le boulot tout de suite derrière. Et en fait, après, c'est l'horreur, quoi. Donc, c'est vraiment pour rappeler à certains jeunes ce qui s'est passé et pourquoi on est aujourd'hui à la CGT et pourquoi on combat toutes ces idéaux fachos et tout ça. On voudrait, quand on voit ça, en fait, on se rend compte qu'il ne faut plus que ça arrive. Et là, on est à un tournant, si on veut, dans notre société. Et il ne faudrait pas se tromper de direction sur la montée du fascisme, comment ça a pu arriver. On l'a entendu avant, Adolf Hitler a été élu démocratiquement, donc c'est bien qu'on n'est pas à l'abri. Ça peut encore se passer aujourd'hui, même si on est en 2015. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est l'émotion que les murs transpirent encore, en fait, l'horreur et la douleur de tout ce qui s'est déroulé ici. Effectivement, ce qui s'est passé ici, c'est on ne peut même pas mettre un nom dessus. Parce qu'ils ont tué tous les enfants aussi, et ça c'est vraiment dégueulasse, quoi. Je me demande comment des hommes peuvent faire ça. On se rend compte qu'il y a vraiment besoin de rappeler aux gens de ce que c'est vraiment le nazi et de quoi il est capable. Et ça, on n'est pas tous forcément, en tout cas chez nous les jeunes, l'histoire n'est pas notre point fort, on va dire. Et donc il y a vraiment un grand besoin, et il y a même une urgence, je pense, de faire un devoir de mémoire, de rappeler à tous ces jeunes ce qui s'est passé. Parce que moi, il y a une phrase que j'ai retenue, je ne sais plus qui l'avait dit, mais ne pas connaître son histoire, c'est condamné à la revivre.